Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Hallelujah.
Zambe Toye lesusu pana yo. Dieu, nous venons encore devant de toi. Nangonga oyo. En ce temps-ci. Tokumbambeli munene nayo. Nous adorons ta grandeur. Tokumbambeli munene nayo. Nous adorons ta grandeur. Oza Zambe munene. Tu es un grand Dieu. Mususu lokola yo azati. Nul autre n'est comparable à toi. Merci. Matondo. Pour tout ce que tu fais en notre temps. Merci de que vous like ça mon tout et mokili. Merci tel que Mayele à mokili et ça le côté libosona. Merci tel que tu montres à l'humain que l'homme ainsi que sa sagesse ne sont rien devant toi. Olobina tango ya suka ko confond mayele sagesse ya bato. Tu as dit qu'au temps de la fin tu confondras la sagesse humaine. Merci parce que vous avez zambé. Merci parce que tu es Dieu. Tu resteras Dieu. L'homme restera humain. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Celle que nous voyons s'accomplir en notre temps. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Merci, Papa. Tant que nous continuons dans ta parole, bénis-nous. Lobe la biso. Parle-nous. Simba biso. Touche-nous. Et nous jurons de rendre toute la gloire à ton nom. Pour jurer que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Nous avons Amen. Prié. Amen. Na pesimi no pote lisusu balandi nyonso bazola na biso bisika bozali na se ya moyo oyo na mokili zambe nanga apambola bino. Encore une fois je vous salue tous de partout le monde, tous les téléspectateurs qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Et une fois encore na yambi bino na sanza oyo oyo to intitulé sanza na biso ya exemption. Et je vous accueille encore en ce mois d'avril intitulé notre mois d'exemption totale. To wuti na sanza ya accomplissement prophétique to monique liloba zambe e bandiko se accompli ko uta na sanza wa ndenge Yesu alobi bokoyoka sango ya bitumba ici par ci par là les tremblements de terre et des pestes calamiteuses albi mais ce n'est que le commencement des douleurs e bandi mokili bazo lela na minute oyo mais na lingina esabino ke liloba zambe de ezo kokisa. Et nous sortons de notre mois d'accomplissement prophétique. Nous avons vu comment la prophétie de la parole de Dieu a commencé à s'accomplir. J'aimerais justement vous dire, ne craignez pas, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mais, Kasi, à tout ce qui nous concerne, na oye talibiso, Zambia lobi, Dieu a dit, na sans oye, en ce mois, mille peut tomber à gauche, à droite. Toto barokoya pemeni pemeni. Mais nous sommes exemptés. Kasibiso to kochama pembeni. Et comment mina Biblia? C'est écrit dans la parole de Dieu. To tangi ango. Nous l'avions lu. Et Biblia et Kasibiso. Et la parole de Dieu nous l'a dit. Ce sont des références. Ezali si quatre kotala. Toutes ces choses. Makambo onion. Ce sont des exemples. Ezabanda kisa. Les dieux d'exemption. Nzambe ya chaka pembeni. Azana bomo. Yango sanzo. Voilà pourquoi ce mois. Sanza ya exemption totale. C'est notre mois d'exemption totale. Voilà. La dernière fois. Balele ki to partager to monaki ke il y a des mystères que Dieu nous a donné, des vérités cachées oyo soki to tiango na musala et kozala point de contact pona ko préserver biso sutu na ngonga to zoleka pona ko exempter biso na ngonga to zoleka to moni moko ya ba mystère wana lui d'onction et na bandaki na sukite na lobina kusuka prochaine. Et la fois passée nous avions parlé concernant les mystères du royaume, des vérités secrètes que Dieu nous a données, qui nous préservera, qui nous permettra d'être épargnés en ces temps. Nous avons parlé de lui d'onction, je continuerai aujourd'hui. Pour na baoyo baza connecté na lobaki yango to monaki définition ya mystère du royaume. Pourquoi to bengi bango mystère du royaume? Ce sont des armes Zambe a pesibiso pour la protection divine, pour la intervention divine na vie na biso. Ce sont des âmes à ne pas négliger, surtout dans ces temps ici. Et pour ceux qui sont connectés, nous avions donné la définition quels sont les mystères du royaume et nous avons vu que les âmes à kam oto ko kite ko kwa ki sa mingi mingi na ngonga na biso oyo lisusu. Tout monde selon révélation de Marc chapitre 4 verset 11 na 1 Corinthiens 4 verset 1 to monaki
Le mot mystère est signifié nini. Ezo lobanini. Elobi ba vérité cachée. Cinq secrets de Dieu. Tu vois. So, eza ba vérité ya liloba ya zambe. Me ba djebele ba yebite. Yangonde mutu na mutu azanga interprétation na ye lo lenge na ye. Or, Dieu nous a donné tous ces secrets, tous ces mystères pour nous protéger biso surtout na ngombo ya boye. Et lundi sa mokanda Marc na 1 Corinthiens te mona ki ete mystère de royaume ezalinde ba bo solo oyo nzambe abomba pour na kobate la biso yangwana moto na mutu alimbo la kango na lolenge na ye kasi ezali na kati lo bana nzambe esengili oyeba po yango esunga yo ebatela yo surtout na ngonga oyo na lingi totanga Marc 4:11 de susu pour na kozoli sa biso sima après pour continuer ce sujet na biso sur le mystère de lui d'onction. Encore une fois, j'aimerais que nous lisions le livre de Marc 4 verset 11. Marc chapitre 4 verset 11 version d'Arvée, je lis au nom de Jésus-Christ. Et il leur dit: à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles. Tu vois, c'est bien dit, Jésus qui a parlé là-bas. À vous il est donné de connaître, c'est-à-dire à tant que moi un zambé, un disciple, un chrétien, et c'est que nous y a un mystère du royaume. Mon quoi y a un mystère wana tolobi lui d'onction. Ce sont des choses tu peux utiliser comme point de contact pour la préservation, pour la protection, pour la visitation divine, pour la intervention divine. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avions dit qu'il faut connaître les mystères du royaume. Et il y en a beaucoup, mais parmi tant, nous avons vu l'huile d'onction. Et l'huile d'onction est à Oyeko Salela comme protection divine. Lundi, ça m'a mon saint, on a Alléluia. Amen. Voici un morceau sur Marc 4, 11. Marc chapitre 4, verset 11, version monde nouveau. Et il s'est mis à leur dire: à vous, le saint secret du royaume de Dieu a été donné. Comment on dit? So, quand nous parlons de mystère, nous parlons de saint secret, soit vérité cachée. Vas-y, monsieur, soit le bien ou bien, vérité cachée. Parole vivante, s'il vous plaît, Marc 11, Marc 4, 11. Alobi, à vous, il est donné de connaître les vérités cachées. Pourquoi ce sont des vérités mais cachées? Voilà pourquoi les gens critiquent le mystère de l'huile d'onction, le mystère de la communion, le sang de Jésus, parce que des manteaux, parce qu'ils ne connaissent pas ça, c'est caché. Et Jésus m'a dit à vous il est donné de connaître et singulito yeba yango. Alors mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Amen. Marc chapitre 4 verset 11 version parole vivante, je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit: vous avez reçu le privilège de comprendre la vérité cachée du royaume de Dieu. Merci, c'est ça, de comprendre les vérités cachées du royaume de Dieu. Cachées du royaume. Il y a un autre mystère. Le mystère du royaume. C'est-à-dire les vérités cachées du royaume de Dieu. Il y a un autre monde. Moutou Magra l'a dit qu'on parle sur la. Azo critiquer lui d'onction. Azo critiquer Mato. Azo critiquer Sensei. Azo critiquer l'aspiration. Parce que, il peut s'améliorer. Aïe bien en côté. Et Zambia l'a dit, mon peuple est santé. Et l'eau qu'ils ont beau ma bisou. Ce qui nous tue. Manque de connaissance. Notez bien. Il n'y a pas dit le monde. Alobite, le païen. Papagano. Alobi mon peuple. Alobi bato nangai. Ce qui détruit son peuple. Oyezo bo ma bato na ye. Manque de connaissance. Ezali ko zanga boyebi. Voilà. Et Yesu a vacciné. Et Christ a rajouté: vous connaîtrez la vérité. John 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Okoyeba solo. Et vérité là vous affranchira. Et solo anande ekokango la yo. Moko ya vérité cachée. Une des vérités cachées. Moko ya mystère du royaume. Un des mystères du royaume. Et ça mystère de l'huile d'onction. Ils allument ma fouta et pas pour la vie. Yesu aye na mokili atidi ba ye kolina idoza do ba kei na mo. Osambela pona bato. Je suis venu dans le monde envoyer ses disciples deux à deux avec lui donc. Dernièrement tout mon akiango. Dernièrement nous l'avions vu. Dans Exode 30. Dans Exode 30. L'Éternel dit à Moïse. Yahweh alobina Mose. Exode 30, verset 22, 23. L'Éternel dit à Moïse. Eza elokomoko ewuti pa ya zambe. Eza satanikte. Eza magite. Eza lilobaya zambe.
mystère du royaume, parce que ce sont des vérités cachées. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une institution divine. Et en ces temps-ci, Et tel que je dis toujours à nos fidèles à l'église, il y a de ces moments où tu ne peux pas atteindre ton pasteur. Il peut être un moment d'indisponibilité. Mais quand tu as la connaissance des mystères du royaume, toi-même, tu peux appliquer et tu verras l'intervention divine. Même dans l'Ancien Testament, Moïse, Zambé a dit, Moïse, oh my God, Satan a dit, Zambé, Yézaba na Israël, chaque famille, agneau, sans tâche, Batiango, Babou, Mabalia, Batia. Et quand l'esprit des morts frappera l'Égypte, quand il verra les sangs, mystère du royaume, vérité cachée. Et c'est à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu. Mais le diable qui joue avec les enfants de Dieu en disant que c'est de la magie. Oh, ce sont des choses que Dieu nous a données pour notre prévention, pour notre protection, préservation, intervention. Mon peuple, les sons de Dieu fautés. Ok. Tout ce combat, la fois passée, tout tangi. 1 Samuel 16, 13, Abaya, Exode 30, partie à verset 22. Est-ce que vous avez un peu dans l'Exode 30? En tout cas, après même verset, vous avez dit que l'Éternel dit, so, et vous dites pas à Zambé. Exode chapitre 30, verset 22, version d'Arbi Jélie au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel parla à Moïse. Voilà, qui a dit à Moïse de faire cela? L'Éternel. Alors, il composait lui d'onction. Boye, boye, sala, boye, boye. C'est l'Éternel. Ok. Et dans 1 Samuel 16, 13. David depuis ce jour-là. La parole de Dieu dit que c'est la puissance du Saint-Esprit qui descendait sur David depuis ce jour-là. 1 Samuel chapitre 16 verset 13 d'Arbi. Ouais. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là et dans la suite. Depuis ce jour-là et dans la suite. Amen. Tant que vous avez David, na mafuta. Quand il a oué David, oui. Bible dit que mafuta a quitté David. La parole de Dieu ne dit pas que c'est lui alors, qui descendit sur David. Santo a quitté David. Mais le Saint-Esprit. Tant que vous avez mi ouende, vous avez le logo. À chaque fois que tu ouins quelque chose, kolami, sache que l'huile d'onction fait descendre la puissance du Saint-Esprit. Communion. Dès que la sainte la communion fait entrer la vie de Christ en toi. C'est pour dire, c'est pour te faire comprendre que Dieu Zambé peut communiquer sa puissance, sa vertu à travers des matériels physiques. La femme n'avait pas touché les corps de Jésus, juste les ponts de sa robe, mais la puissance a traversé la robe. Abitsami, il a été guéri. L'oppression, il y a 12 ans ou 13 ans d'écoulement de sang. De plusieurs années d'oppression. Après avoir tout dépensé auprès des médecins. Mais sans rendez-vous, na Yesu. Sans rendez-vous. La puissance de Dieu peut lata n'importe quel matériel. Revêtir n'importe quel matériel. Un de ces matériels, c'est l'huile d'onction. Na dernière
dernier enseignement n'abisso. Dans notre dernier enseignement. Pour ceux qui sont connectés. Parce que na ko zongi la zima nyo sote. To mona ko na Exode 30 wana verset 31. À référence COVID. À l'obéir ko précisément référence to ko ke ko ta la référence à l'obéir ko lui d'onction. Et ça instrument accordé en vue du service. Alors, il y a une image du Saint-Esprit accordée en vue du service. Service. Quand nous parlons d'image, quand tu te regardes au miroir, tu vois ton image. So, aussi bien. Quand tu tiens qui a été béni sanctifié, Dieu dit Esa image du Saint-Esprit. Ezali elilingi ya molimo mosantu. Voilà pourquoi quand on va wendre David. Voilà pourquoi quand on a wendre David. Biblie lobite ke mafuta ekiteli David. La parole de Dieu ne dit pas que c'est l'huile qui est descendue sur lui. La parole de Dieu dit c'est le Saint-Esprit qui descendit sur lui. Mafuta ezo libéré. L'huile d'onction libère la puissance du Saint-Esprit. Comme communion de sa chair, son sang, ils ont libéré Momoinaï. La Sainte Seine libère la vie de Jésus. Ce sont des vérités cachées. Ezali ma bomba mi. Tondima kakote ngamukuna me komi yazambe toko eza diabolique évangile ce qui évangile moko satanique. Nous croyons au négatif, mais quand il faut pratiquer cela positivement, nous croyons. Mauvaise communion. Communion satanique, diabolique. Bazawana communion ko lia nzoto ya nini ya demo ya mais ezo sala ife ekomi kote ba brande bino magie bana nzambe to fumula miso. Ce sont des mystères du royaume, des vérités cachées que Dieu nous a donné à ce temps ici. Il faut bana ko tie en pratique pour ko préserver yo, pour ko protéger yo, pour ko épanouir yo, ko kosa yo na exemption totale. Enfant de Dieu, éveillons-nous. Ces mystères du royaume nous sont donnés pour t'épargner, pour t'amener dans l'exemption totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Il est bananzambe. Restera la parole de Dieu. Yangwe kotika la seko il est bananzambe. Bapundisaka vérité. On ne tombe pas contre la vérité. La vérité. Solo. Triomphe toujours. Et longa kakaka. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui nous continuons. J'aimerais que nous allions dans le livre d'Ésaïe. Parce que tout ça, le mystère de lui d'onction. Si après tu continues le Nouveau Testament. Après Ésaïe, nous irons dans les psaumes. Et après, nous n'oublie pas. Dans Exode 30. Dans Exode 30. Verset 22. L'Éternel dit à Moïse, fais ceci, c'est lui d'onction. C'est l'Éternel qui a recommandé Moïse. Ce n'est pas le diable. Yahweh est le bel qui est. Ce n'est pas magie. C'est la parole de Dieu. Ezaïe le bananza. Ce n'est pas moi qui ai écrit Bible français. Bible Lingala. Toya Lingala. Mais ça se trouve dedans. Kasiza na kati. Voilà. Ésaïe 10, 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27, version Darby, j'ai le nom de Jésus. Voilà. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. À ce moment ici, c'est quoi le fardeau? Mininde, Corona. Si corona, pardon. Corona. Naba coronus. Naba anta. Bazoya, oyoki corona et bimi. Anta virus, wana iso tobola loboko. Et Maroya est belé. Et ça, quand ça a été, et ça, c'est un signe de fin de temps. Jésus a dit, tout doit arriver. Ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement des douleurs. Mais la fin n'est pas encore. Esaïe 10, 27. Verset 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Yoka, nangonga oyo, nanzela ya epakolami,
na détruit jugo yonso ya pandémie yonso. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Alobi, il a dit, son jug sera détruit. Détruit. À cause. Détruit. Yes. Détruit. Détruit. Yes. À cause de l'onction d'huile. Yes. Par cause alobi l'onction d'huile. Dès que huile est pambolami. Et comme il pambate ya ko kalinga maki na Thompson. Et comme point de contact ya ko libéré guya. Yes. Zambe. Dès que lui est béni et sanctifié, c'est un point de contact pour libérer la vie. Baton ya Moïse ye moko Zambe asimi ango. Et la mission ya Moïse est comme yoka alobi simi ango na mukila asimi ezongi baton. Abi avec cela tu feras des signes. Bien-aimé, nous avons beaucoup de bâtons. Pourquoi y a bâton Zambe a besoin so? Un de ces bâtons que tu nous as donné, c'est l'onction. Avec cela, nous ferons des signes et des prodiges. Na yango to kosala bilembo pe bikamo. Nous tuma quoi confuse yo te. Que personne ne te confonde. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile pire. Ezali lo bala Nzambe. La puissance de Dieu peut demeurer, peut rester sur n'importe quel matériel. Nguya Nzambe ko iko fanda likole eloko nyonso. Alléluia. Amen. Amen. Version monde nouveau, je lis au nom de Jésus. Oui. Il arrivera en ce jour-là que sa charge se retirera de dessus ton épaule. Sa charge. Charge à corona. Charge à pandémie. Charge à antivirus. Charge à coronavirus. Naba musuzu virus virus musuzu ya. Se retirera de dessus ton épaule. Oui. Et son joug de dessus ton cou. Oui. Et à coup sûr. Hopa la taya bataya. Le joug sera aboli à cause de l'huile. Oh yoki. À coup sûr. Yes. Son joug sera aboli. Sera aboli. À cause de l'huile. À cause de l'huile. Amen. J'aime cette version. Quelle version encore? Monde nouveau. Yes. À coup sûr, le joug sera aboli. À cause de lui. Aboli les années. Détruit. Yes. Amen. Yoka Natango détruit toute fléau pandémique, tout virus. Et laquelle a même appelé dans ce Amen. Yes. Amen. Amen. Par cette onction, na déclaré, je déclare la commission intouchable. Je veux intouchable. Na libota na bana na nyama na yo na commission intouchable. Amen. Ma famille de bête, c'est tout ce que tu as. Version Lingala monde nouveau. Eko sale ma penza boye mokolo yango. Mokumba na ye. Oyoki. Eko sale ma penza boye mokolo yango. Mokumba na ye kosa nini? Eko longwa na lipeka na yo. Oh yes. Pe ekanganeli na ye. Eko longwa na kingo na yo. Yes. Pe ekanganeli yango. Eko baby sa ma penza ekona mafuta ekangaleli na ye tanga opuna ekanganeli ekangaleli na ye ekolongwa wapi na na kingo na yo na ba kurbetu ya coronavirus ejio na kingo wana ibandi ekosimba yo te Jesus. Alleluia. Amen. Loba place wana Jesus tupo ezo ya nazo ka kurbetu nasina yo ki ba pele bele kurbetu kurbetu makote ekolongwa ekozala pe de twist. Yes. Ba ni la place wana. Pe ekanganeli na ye ekolongwa na kingo na yo. Oyo ki Bible lo mini na kingo na yo eh? Pe ekanganeli yango eko baby sa mapenza ekolongwa eko baby sa mapenza a cause de quoi pona mafuta pona mafuta bandela na kotele misayo te banda pe ekanganeli na ye ekolongwa na kingo na yo pe ekanganeli yango eko baby sa mapenza pona mafuta bandeko balobi pona nini mafuta pona mafuta pona mafuta mafuta yon se pambolami eza Jesus mafuta ya kokanglinga soso na Thompson te e komi point de contact pona ko dégager yes nguya ya Zambe. Amen.
Mais on s'est déjà béni et sanctifié. Ce n'est plus l'huile de cuisine, mais c'est une huile d'onction sainte pour on dégager parle, la puissance de Dieu. On parle de vérité cachée ici. Tu verras quelqu'un comme le pastoral qui prend cela des magies. Oh, son Dieu, la loi dit que mon peuple est des trucs faux de la connaissance. Quand tu ignores quelque chose, c'est bien de rester bouche bée. Ne critique pas. Est-ce que c'est moi qui écris le français? Est-ce que c'est moi qui écris le français? Alléluia. Amen. Ce sont des mystères du royaume que Dieu nous a donné. Et allez, ma mystère du royaume, on a ma paix, sa mission. Pour nous délivrer des misères de la vie. Pour n'accord la bisso, n'a pas passé à bon. Pourquoi y a misère, y a m'colo, y a gozo, y a comme moi. Une des misères, c'est ce que vous entendez parler par les médias. J'aime même pas citer les noms. C'est quoi ça? Zanine. Alléluia. Amen. Faut tout y bat droit, n'a bisso. Devons reconnaître quels sont nos droits. Par la grâce de Dieu, par ces mystères, toi et ta femme, toi et ta maison, sera épanoui. Amen. Vous ne serez pas atteint. In the name of Jesus. Voilà pourquoi on a besoin de connaissance. Marc 4:11, à vous il est donné le privilège de connaître le mystère du royaume, c'est-à-dire les vérités cachées. Pourquoi la vérité cachée, c'est le mystère de l'huile d'onction. Et nous avions dit que Pesameli na bisco koyeba ba sekele ya bokondi na nzambe moko ya ba sekele yango eza mafuta ya epakolami. Oyoki yango. Vous avez entendu cela. Tozotanga. Ce que nous lisons. À vous il est donné. Na binonde Pesameli. Le privilège de connaître. De lui à koyeba. Vérité cachée. Le solo est bon. Awa Alobi, dans Isaïe 10:27, dans Isaïe 10:27, Alobi, il a dit, et il arrivera à ce jour-là. Et que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et les jougs. Be kangane liango e ko baby sama cause de l'huile d'onction bona mafuta legal a lobi pona mafuta siko alors sozo koba nous continuons bien aimé olingami nango gaoyo instance il faut cheba mysterioso soba mafuta che tu as juice ozo ju soit ma ozo représenter ma clana yesu che li bosona yo manto je vais commencer à bénir ça. Il faut utiliser l'huile d'onction, tous les mystères du royaume. Na robo yango. Kobo santé moi si o yazo bibisa écoulement de sang. Ala dit traitement ya ba médecin mais simba kité a dépensé bongo na yon so simba kité en lingi akufa. Mais tant ko a appliqué moko ya ba mystère royo. Asimi songe ya bilamba ya Yesu son rendez-vous na Yesu masia. Ko ya zambe protecté. Continue na katina sous les champs à l'immédiat à Bixami. Jésus n'est pas encore changé, il est vivant. Et n'oubliez pas cette femme à l'écoulement des soins. Elle a tout dépensé par les médecins sans trouver de remède. Mais quand elle a touché le manteau de Christ, la puissance de Dieu l'a guéri. Il y a des choses oyo et tout ça qu'a les sociétés ma comme un médecin, mais et tout ça qu'a moqué les ayons. Il y a des choses qui ne répondent plus à la médecine, mais fléchissent devant le Créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tout quand on a ça. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Il faut tous être sage. Nous devons être sages. Surtout en ces temps-ci. Et le coiso bête partout. Bozo sala vaccin. Bon, pèse mango kuna vaccin te oyo bakufi bebele. Abo ay pa na biso oyo bakufi bebele te ne bozo yana vaccin. Quel vaccin? Vaccin nini wana? Bien aimé. Molingami. Tous la sage. Soyons sages. Tous la sage. Soyons avisés. Praise the name of Jesus. Alléluia. Praise the name of Jesus. Alléluia. Un des mystères que Dieu nous a donné, c'est ce que nous lisons. Ça là, l'essentiel, hygiénique, tout ça, yes. Mais, connecté avec Zambé. C'est vrai, conforme-toi à toutes les mesures de prévention hygiénique, c'est vrai. Mais, arrange ta foi envers Dieu. Praise the name of Jesus. Alléluia. J'aimerais que nous continuions. Psaume 89, à partir de verset 20.
89. Nous parlons toujours de l'huile d'onction. Voilà. Le temps que nous avons atteint, Dieu confond la sagesse du monde. Oh yes. Amen. Tout ça, ce sont des signes. Il y a fin du temps. Il y a soupe. Tant que Psaume 89, partie à 20. J'ai lu au nom de Jésus la version Darby. J'ai trouvé David, mon serviteur. Oui. J'ai le oint de mon huile sainte. Oui, okay. J'ai trouvé David de mon serviteur. J'ai trouvé David. Zambéné a trouvé David. Yes, Dieu qui a trouvé. Dans la Bible, n'ayez pas bien. Lis bien ta Bible. Attendi prophète Samuel qui est dans la famille libota ya Jesse tata ya David qui est dans la mutu moko na pona ki na kati tant que prophète Samuel a connu kuna abandi abegi Jesse tata na bangwa lobi kwapi bana na yo babima bana na yo so babadi ko ya bazusa défilé alera chuazo oya leki atali oya leki oyote oya leki oyote tant que ba défilé bango yo so na ba Eliab na ba nini après Jesse tata lobi oh mais na kani bango yo so na moni oyo zamba ponite. Ici, j'ai trouvé David mon serviteur. Namoni David mon serviteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai oint de mon huile sainte. N'a pas collé ma foute. Mais non, t'as la conséquence. Et lundi, il pacolami à David. Et voyez les conséquences qui ont. Pour au moins impact, il y a pacolami na vie na yo attend que moi na zambi. Pour voir l'impact de l'huile d'onction en tant qu'enfant de Dieu. Continue. Verset 21. Verset 20 encore. Verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur. Oui. J'ai le oint de mon huile sainte. Uh-huh. 21. Ma main sera fermement avec lui. Et mon bras le fortifiera. T'as la conséquence, il y a Ipakolami. Voyez les conséquences de l'huile sainte. Linga, attends pour nous, s'il te plaît. Verset 20, 21. Linga, la mon nouveau. Namonita yo Samuel, mon saleli nangai. Voilà. Natiye ma futa nangai, mon santo. Voilà. 21. Dès que le Namoni Gauthier, Namoni Jean, Namoni Kabengele, Namoni Kamuntachu, Namoni Yomokoi, Kasavuvu, Kasongo, Kasongo, Kadiadia, Namoni, etc. Voilà, continue. 21. Loboko nangai eko simba ye makasi. Loboko nangongo yo loboko ya zambe e simba yo nanzela ya pakola. Amen. Amen. Nanzela ya pakola. Alobi loboko nangai eko simba David, eko simba Dayo Samuel, eko simba Kamitatu, eko simba Kabengele, eko simba Kasongo, eko simba etc. Kadiadia. Aha. Loboko nangai eko simba ye makasi. Mm-hmm. Loboko nangai pe ekolendi saye. Ekolendi saye. Amen. A cause ya ipakolami. A cause de l'onction. Parce que tango mi pakolaki. Nguya molimo santu. Nguya ya molimo ya zambe. Elati yo. Quand tu t'enduis la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et simbi yo. Te touche et te réveille. Uh-huh. Verset 22. L'ennemi ne le présurera pas. Okay. L'ennemi. Et loko ezo rage mokili eza ennemi. Mm. Alors l'ennemi ne le présurera pas. Ne le dominera pas. Uh-huh. Et le fils d'iniquité ne l'affligera pas. Et wuti kakawana, alors l'ennemi ne le présurera pas. Et le fils d'iniquité ne l'affligera pas. Yes. À cause de quoi? Lui l'onction. Na komisimino intouchable na ngonga oyo. Na komisimino invisible na ngonga oyo. Invisible. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus.
Bien-aimé enfant de Dieu, réveillons-nous. Maintenant, dans Marc chapitre 6, il y a aussi bango dos à dos, à tini bango na mafuta. Satanique. C'est la parole de Dieu. Et c'est à ce moment qu'on a besoin de le mystère du royaume. Dieu a dit à Moïse dans Exode 30 et il a encore envoyé Samuel, il a montré plusieurs exemples de la parole de Dieu. Et tu vas me dire que c'est satanique. T'es, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Continue. Verset 23. J'abattrai ses adversaires devant sa face. Papa, omoni totanga boye po batuba komlo. Oba otanga boye. Na pisa exemple. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai loin de mon lieu saint. J'abattrai verset 23. J'abattrai ses adversaires devant sa face et je frapperai ceux qui les haïssent. Obani Jésus verset 20. J'ai trouvé David mon serviteur. Amen. Je l'ai loin de mon lieu saint. Verset 24. Et ma fidélité et ma bonté sera avec lui. Amen. Et par mon nom son compte sera élevé. Amen. Comme ça, parce que conséquence n'est pas que l'amener toujours là. Ce sont les conséquences de l'huile d'onction que nous voyons. J'ai trouvé David, d'ailleurs Samuel mon serviteur, je le loin de mon huile sainte. Verset 23. J'abattrai ses adversaires devant sa face. Je frapperai ceux qui les haïssent. À cause, il n'y a pas que yes. Verset 24. J'ai trouvé David mon serviteur. Oui. Je le loin de mon huile sainte. Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Voilà. Et par mon nom, sa corne sera élevée. Alléluia. Verset 25. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le loin de mon huile sainte. Et j'ai mis sa main à la mer et sa droite dans le fleuve. Alléluia. 26. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le loin de mon huile sainte. Lui m'écriera, tu es mon père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Alléluia. Verset Sukiwana yes. J'aimerais que tu saches que ipakolami que l'huile d'onction et pesa kibiso ponatina nous a été donné avec un but. Tozongeli 20 et tu... verset 20. J'ai trouvé David, d'ailleurs Samuel mon serviteur, je le loin de mon huile sainte. Verset 21. Ma main sera fermement avec lui et mon bras le fortifiera. Verset 20 encore. Verset 20, j'ai trouvé David, mon serviteur, je le loin de mon huile sainte. Verset 22. Verset 22, l'ennemi ne le présurera pas et le fils d'iniquité ne l'affligera pas. Verset 20 encore. Verset 20, j'ai trouvé David, mon serviteur, je le loin de mon huile sainte. Verset 23. Verset 23, j'abattrai ses adversaires devant sa face et je frapperai ceux qui les haïssent. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Olingami. Tomoutina Esaïe 10. Revenons d'Esaïe 10. Verset 27. Tomoni Moussalaya et Pakola. L'œuvre de l'huile d'onction. Toyé na son. Dans les psaumes. 89. Chapitre 89. 20 à 25. 20 à 25. Tomoni Moussalaya et Pakola. Nous avons vu l'œuvre de l'huile d'onction. Tout ça, Ezo Loba. Et l'okonini ipakolami et salaka. Tout ça nous dit quel est l'apport de l'huile d'onction dans la vie. Bien aimé. Olingami. Bisika solution exacte. C'est l'homme médecin. Naza contre bangote, bazo sungabiso. Si on se topotami na maboko na bango. Mais ce qui ezo mon anate, il va kezami azana solution. Nous ne sommes pas contre la médecine. Mais quand il n'y a plus de remède, même pas par la médecine. Dieu a la solution. Marc chapitre 6. Marc, Ancien Testament. Nous venons de l'Ancien Testament. Nous entrons maintenant dans le Nouveau. Tout ce que nous voyons concerne l'huile d'onction. Ce sont des vérités cachées. Ce sont des âmes, des instruments que Dieu nous a donnés pour ces derniers temps ici. Nous avons vu, entendu et vécu divers miracles et divers témoignages. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez par l'onction. Ici, dans Marc chapitre 6,
Dans le livre de Marc, chapitre 6. C'est Jésus qui a appelé ses disciples. Deux à deux. Mi balé. Et il les a envoyés pour aller prier pour les malades. En noyant les maladies. Et en les oignons d'huile, tous furent guéris. Voilà. Marc 6, verset 7, au sauté, verset 12 et 13. Marc chapitre 6, verset 7, version d'Armie, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et il appelle les douze. Voilà. Et il s'est mis à les envoyer deux à deux. Oui, oui. Et leur donna autorité sur les esprits immondes. Verset 12. Et étant partis, ils prêchèrent qu'on s'est répandu, oui, et chassèrent beaucoup de démons. 13. Et oignirent d'huile beaucoup d'infirmes et les guérirent. Oignirent d'huile beaucoup d'infirmes et les guérirent. Alobi, étant parti, parce que Baza 12, c'est-à-dire quand 6 groupes. Ils sont partis. Ils sont partis. Il prêchait qu'on se répandit. L'heure de la repentance a sonné. Bien-aimé. À tout moment, je l'ai dit, si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est l'heure. Hier, là où j'ai fait les sports, j'ai dit à certaines personnes, je ne vous effraie pas, mais la page du monde a déjà changé. Il n'y aura plus la paix, sauf Bazana, prince de paix, na kati na bangonde bakoza. Amen. Kimia koza esusute kaka o bazana kumuya kimia. Oh, et kimia koza la kati. Naza prophète malheur te nazo ibisa yo koma makamu na lobi. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je t'annonce les choses à venir. Tu peux les noter. Amen. Parce que l'antichrist azoya. Wete mungu na zoya. Maintenant Dieu va montrer na mbokilike azaka kazambe. Et Dieu va montrer au monde qu'il est Dieu et qu'il est restera. Oh yes, man. Dieu. Version français courant. Yes. Verset 7. Il appela ses douze disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais. Oh. Verset 12. Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. On dit changer de comportement, c'est ça, repentance. Yes. Makambo mabe osalaka tika changer, c'est ce qu'on appelle repentance. Songa na nzela na zambe nayo na mokili nayo. Yes. Avant que ezala rota. Yes. Verset 13. Il chassait beaucoup d'esprits mauvais et guérissait de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Amen. Et service à l'élona déclaré na pameli molimo yoso ya oppression. Amen. Tout esprit diabolique satanique. Yes. Où ils ont rasé bokili et la kela mimabe. Ces jours-là sont détruits au nom de Jésus. Amen. Ils les ont envoyés deux à deux. Ils sont allés avec lui. Ils ont prié pour les malades. Ils les ont guéris. Il est le Dieu d'encore. Azali nzambo asalaka lisusu. Alors je suis l'Éternel ton Dieu, je ne change pas. Azali yawe nzambe na wana bongo na kate. Bien aimé. Olingami. Ngonga esenge to appliquer ba mystère du royaume yango to connecter kundima na biso na ba mystère du royaume comme lui d'onction. L'heure d'appliquer de connecter la foi au mystère du royaume a sonné. Et que l'on va courber tu vois. Ça va enlever ses courbatures. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de vrais remèdes. Mais Dieu a la solution. Amen. C'est ce que vous entendez. Alléluia. Amen. Je prie pour les gens chaque jour. Les gens chaque jour. Les colonies sont. Ils sont là, ils sont en Europe. Ils sont ici. Et Dieu agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Version amplifiée, verset 7. Il appela ses douze apôtres et commença à les envoyer comme ses ambassadeurs. Voilà. Deux à deux. Voilà pourquoi je m'appelle ambassadeur. Amen. Voilà.
Il les envoya deux à deux et leur donna autorité et pouvoir sur les esprits mauvais. Voilà. Verset 13. Et il chassa beaucoup d'esprits impurs, oui, et oignant d'huile beaucoup qui étaient malades et les guérir. Et les guérir. Nanzela ya ipakulami. Musala mususu ya ipakulami yangwana. Voilà pourquoi tu bénis yango le mystère du royaume pour nous délivrer des misères de la vie. Tu bénis yango ba ma bomba miyabo kondi ya likolo pour na rokango la biso na ba pasi ya mokili oyo. Esaïe 10, 27, l'onction détruit tous les jougs. Comme il a dit dans Esaïe 10, 27, et pas que l'ami est boukaka, bikanga ne l'yonso. Ma bengani ba milou, ma ba bikisi ba maladi yonso. Na kupaku la banguna, ma fouta. Et dans Marc, par l'onction d'où ils ont chassé des esprits mauvais et ils ont guéri tous les malades. Qui te soit fait selon tu as cru. Et ça, les meilleurs kaka l'olenge yo ondimi. C'est Jésus qui a envoyé les disciples. Yesu na tina ki ba yekoli. Tu vas me dire que c'est de la magie? Alléluia. Jésus a dit nous ferons les œuvres qu'il a faites et nous en ferons même plus grandes. Est à la point de contact, il y a intouchabilité. Atoza atteint à déclarer et à détruire. Au big sami na maladie yonso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'onction détruit tous les jours. Et par la mienne, pour kaka, bikanganeli nyoso. Voilà. Au moni ango na Marxis maintenant. Tu l'as vu même dans Marxis. Maintenant, nakati aba disciple, on a eu batini 12 à 2 parce qu'il y avait 12 disciples. Et parmi ces disciples-là qui étaient envoyés. Na verset 7 à l'obé, et il appelait les 12. Abengaki. Et il s'est mis à les envoyer deux à deux. Abandi koti na bango mi balé mi balé. Si baza 12, s'ils étaient 12 divisé par 2, on divise par 2, 6. Cela veut dire 6. 2 2. 6 groupes de 2. Na kati na bango. Parmi eux, il y a un tozobenga apôtre Jacques. Un s'appelait Jacques l'apôtre. Ouais. A commis un livre naé. Dans son épître, il a écrit. Dans Jacques chapitre 5. Dans Jacques 5. Yoka na no discours ya Jacques. Suivez les discours de Jacques. Na sepeli nango makasi. J'ai tellement aimé ce discours. Oh mon Dieu, mon roi. Yoka ye nano. Verset 14 alobi. Quelqu'un. Yoka na no mutali. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça dit ba mesani na ngote. Ça dit esengel eza makambo etambula kana ba rache oyote. Mais si par exemple, si quelqu'un parmi vous est malade, alors qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui en louant quoi? L'huile. Maintenant, nous avons la place, il y a huile encore. Encore la place de l'huile. En louant d'huile. Mutuaza malade, ils ont la maladie à corona, maladie à nini, ils ont la cancer, ils ont la prostate, ils ont la yoso. Qui l'appelle les anges? Qu'on prie pour lui en loyant d'huile. Pas seulement prier, ça suffit, mais en loyant d'huile. Amen. Jacques a mon coeur, do wana, badous wana. Jacques a commis, il a écrit qu'on prie pour lui en loyant d'huile. Au nom de Satan. Non. Au nom de magie. Jamais. Alors, au nom du Seigneur Jésus Christ. Parce que Yébou tu as dit Nibango. C'est lui qui les avait envoyés. Au nom du Seigneur. Et verset 15. Et la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Dans la côté, les misaïs. Yoka. Yo za cloué dans le bête. Yoka. Dès que vous avez appliqué, il n'y a pas de mieux. Comment vous déclarez au téléma. Amen. Amen. Et le Seigneur, lui, relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais il n'y a pas de mieux. Et que ça, c'est que vous avez paralysé. Au côté les manambetu wana na sakoli téléma au nom de Jésus et marche. Amen. Téléma au nom de Jésus et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Yes. Le mystère du royaume.
Mystère du royaume. Version parole vivante, version français courant. L'un de vous est-il malade, verset 14, qu'il appelle les anciens de l'église. Voilà. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Verset 15. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout. Oh. Et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Alléluia. Amen. Le Seigneur le mettra comment? Debout. Le Seigneur lui mettra comment? Debout. Yo yo zo la nanga santé na yo ese kiti ba. Na déclaré ezala debout na minute. Amen. Et tele malisus na kombo na Yesu. Amen. À cause de lui dans ce. Bona mafuta. Tanko ba sambel pour na ba kolo mafuta alobi. Le Seigneur te mettra debout. On est aux là là na betu malade au télémi santé télémi respiration est zongi yon soit zongi à cause il y a lui toxin et moko yaba arme yaba instrument un des instruments que Dieu nous a donné pour la visitation divine que personne ne te trompe lingala pour nanga papa lingala oui verset 14 Ezalinde na moto moko azalina maladi kati na bino. Oui. Abenga bankulutu ya lisanga. Pe bango bakobondela pona ye, bakopakola ye mafuta na kombo ya Yehova. Bakopakola ye nini? Bakopakola ye nini? Mafuta. Na kombo ya nani? Ya Yehova. Oh, haleluya. 15. Pe libondeli ya kondima. Voilà. Ekobikisa moto oyo azali kobela, pe Yehova akotele misaye lisusu. Soki azalaki na masumu akolimbisa ye. Ate eza akosi ya masumu zambi nanga akolimbisa ye. Azazambi ya misericord. Amen. Me hiba ke ipakola meza instrument ya intervention divine. Na banzi oyo tosito tali. Ce que nous avions déjà ça vu. Suffit. Et koki. Wesuga kondima na ye. Pour aider ta foi. Hallelujah. Amen. Maintenant tosito tanga aussi Marc chapitre 14. Nous allons encore lire le livre de Marc dans le 14e chapitre. À partir du verset 3. Marc chapitre 14, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Et na lingolanda mak eloko landa histoire oyo. J'aimerais que tu suives attentivement cette histoire. Pourquoi ba ke Yesu azo compte sur lui d'onction. Parce que batumoko na makabu tuzo tanga oyo batumoko ba méprisé ango ba minimisé ango qui l'ont minimisé méprisé Yesu azogi spango na nzela. Jésus les a ramenés. Laisse cette femme. Tika moi si oyo ce qu'elle a fait oyo asali est très important pour moi. Ezali motu ya mingi pour nangai omona que lui d'onction. Pour voir que lui d'onction esa religion pambate ce n'est pas une simple religion esa mystère. C'est tout un mystère. Ils ont un impact. C'est là un impact. C'est là un but. Ils ont un rôle. C'est là un rôle. Ils ont moussalé ça là. C'est là une œuvre. On dit, ma photo yo, a pensé à BBC. Faut qu'on côté que là-bas, ma pauvre, Yesu a dit depuis tout ce temps, vous en avez pauvre. Tika maman yo bakabwa sali, eza mutu ya pona ngai. C'est important pour moi. Ils ont une importance. Marc 14, à partir du verset 3. Marc chapitre 14, verset 3, version d'Arbe Jésus-Christ. Molo, molo, na lingala, s'il vous plaît. Yes. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix. Et ayant brisé le vase, elle les répandit sur sa tête. Oyoki, asopi angu na motu ya Yesu Masia. Amen. Lingala. Mokolo moko Yesu azalaki na Betani na ndako ya Simon. Oui. Moto oyo azalaki na maladi ya maba. Oui. Tango afandi na mesa po alia, mwasi moko ayei. Azalaki na molangi basala na libanga ya kitoko penza etonda malasi ya talo mingi. Oui. Afongoli molangi yango pe asopeli Yesu malasi na motu. Oh, asopeli Yesu na malasi na motu. Verset 4. Et quelques-uns étaient là
qui s'indignaient en eux-mêmes et disaient, à quoi bon la perte de ces parfums? Hommes religieux. Ils sont là. Continue. Verset 4 lingala. Ah. Batomosusu bazalaki wana basiliki pe batunani. Bona nini ko bebisa mala si oyo boye. Voilà. Bazalaka wana bakukaka koluka kaka critique critique. Il faut pas le kaka ba critiquer loko yonso. Il cherche à tout critiquer. Les Caïn ba fils de diable. Verset 5. Car ces parfums auraient pu être vendus plus de 300 deniers. Voilà. Et être donné aux pauvres, et il a réprimé vivement. Verset 5, lingala mon nouveau. Pour ma faute, oyo, oya solo kitoko bakoka kikote kayango denari koleka kama misato, ça veut dire 300. Peko pesa yango na babola, peko yokela yekanda makasi. Yoka verset 6. Verset 6. Réponse à Jésus. Mais Jésus dit, laissez-la. Hein? Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Hein? Elle a fait une bonne œuvre envers oh, moi. Ma chaka pala tapaya tege. Yeshua lobi. Il a dit. Boti kaye. Asali makambo ki to. Musala malamu. Musala malamu. Yes. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle avait une bonne œuvre envers moi. Yesu abengi ipakola mibaso pelie bonne œuvre. Parce que ayebi tina, ayebi kezana tina, atabango bakufeli misu na mayele bayebite. Yesu ayebi significance. Continue legal. 6. Kasi Yesu alobaki ete botika ye. Bona nini bolingi kotungisa ye? Voilà. Asale lingai likambo moko ya malamu. Natongwa na ngongo yo zola nangai na ndaku na yo. Yamba bolamu ya zambe na nzela ya pakola. Amen. Dengi ozo mi pakola na deklare sante na yo ezonga. Amen. Yoso oyo eza perturbe na vie na yo na dekrete restauration. Amen. Bolamu eza la partage na yo. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Yesu alobi. Otikaye asalingae musala malam lesela ela fe musala ya malam. Alléluia. Continue. Verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Voilà. Et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Voilà. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Po bozali na babola tango nyoso. Benatango nyoso oyo bolingi bokoki kosalela bango malamu. Kasi ngai bozali na ngai tango nyoso te. Verset 8. Ce qui était à son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. 8. Asali oyo ekoki na ye. Atie libela libela mafuta ya solo kitoko. Nanzoto nangai pona na kokunda manangai. C'est pour te dire que ezana place ezana tina. Amen. Pour te dire que cela a un but, a une importance. Avant Yesu va boma nzoto wana mama wana ayeko wendre ye tango ba wendre ye esie libere nguya molimo musantu na nzoto wana. Soki zongeli Romain, il est écrit tango Yesu akufaki, parce que Yesu azia lobi boma nzoto dans 3 jours ekosekwa. So tango wana na Romain alobi, si l'esprit qui a vivifié Jésus d'entre les morts habite en vous, yes, cet esprit, yes, vivra vos corps mortels. Yes. Ce qui molimo oya sekusa ki Yesu kati ya bawe ya zakati na bino, molimo wana akopesa bomoi na nzoto na bino ekufaka. So ipakola mi wana. C'est un libéré nguya molimo santu. A libéré la puissance de Saint-Esprit. Nikolo nzoto na ye. Sur le corps de Jésus. Au troisième jour ekoki. Au troisième jour. Et vivifié en vous. Et a vivifié ce corps. Vous qui me suivez, yamba vivification. Recevez la vivification. Yamba vivification. Reçois la vivification. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Langa Romain, tout en Romain 8. Alléluia. Amen. Masho brade yamara. Tate perika palatazos. Masho zozo prozege dege 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 dege.
Romains chapitre 8, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, version Darby. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Et il parle la maison libérée nini. Molimo Mosanjo. Amen. Bah, quand David a parlé là, Molimo Mosanjo est quitté lui. Tant qu'on voit Jésus, nous autres naie, Molimo Mosanjo est quitté lui, nous autres. Bah, pour moi, le troisième jour, Molimo Mosanjo est vivifiant. Mandela. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oui, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi. Vivifiera vos corps mortels. Et vous pas que la mer libéra canini et libéra ca. Yesu a ekoloba. Jésus a dit à l'obiboy. Il a dit ceci. Makambo mama ou yazali. Ce que cette dame a fait. Oh mashallah bashane berebelebe. Marc chapitre 14. Ekoteyama. Yes. Oui. Verset 9. Verset 9. Et en vérité, je vous dis, oui, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait. En mémoire d'elle. Pour nous dire que nous avons un peu d'assalié sur son importance. Amen. Parce que trois jours est coquille. Pour nous dire que nous avons un peu d'assalié. Amen. So, il fallait maman wana aya ko wendre ye. Il fallait que ces dames viennent et loin. Pour elle attend zoto wana. Pour que cela revête son corps. Ozomuna. Vous voyez. Connexion. La connexion. Spirituelle. Yangonaye je vous le dis. Pandémie. Toute pandémie. Et qu'on résiste ne résistera pas à la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction d'huile. Et détruit Zaka. Détruit toujours. Tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Révélation. Voilà pourquoi soyons des enfants des dieux des révélations. Ce qui au tangi va se wanana ligala alobi bayena. Milangia mafuta. Ramener une bouteille d'huile. Et assopi ango likolona. Et la verser sur lui. Ce qui va assopi. Et loko na mutu na yo. Et na likolo mwe kitakanase. Et kitakanase. Maman a assopi te na makolo assopi na mutu. So et kitina. Quel courage d'abord yé assopi et loko na mutu ya Yesu Masia. Et baniko kita. Après hier, le bicaye, bozo condamné, bozo critiqué, ponanin, bino bozo monate, magamonazo mona, bino boyebite ke, ayeko sala, parti naye, oye fouale ya sala, et loko ya sali, ezane ko preparengae, ona, tango na kokufa. So molimo santu, et latin zoto wana physique. Le Saint-Esprit a troisième jour, physique. Le troisième jour, et vivifié. Il a vivifié. J'étends mes mains. Toute huile que tu na bamboli ango. Je la bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce que nous bénissons est béni. On ne peut pas révoquer ça. Votre huile est bénie. Ma fouta na bino est pambolami. Et la mafuta a dégainé, n'a déclaré et ça sanctifié au nom de Jésus. Je dis que sanctifié est béni. Au nom de Jésus. Et dans cela, il y a application à ma fouta. Par l'application de cette huile, nous sommes maladies. Toute maladie. Nous sommes pandémie. Toute pandémie. Et laquelle a mis ma bé. Et maudite. Alors l'onction brise, détruit tous les jours. Et pas que les bandes arrêtent quand on est l'union. Alors les jours sera ôté dessus de ton épaule. Alors et que l'ongwa n'a pas pécan ayo. Dessus de ton et que l'ongwa n'a kingo na yo. Na minute oyo. En cet instant même. Nyonso est allié na maladie ou est au rage mokili.
tout ce qui est lié à la maladie qui est là. Je l'ai détruit. Par cette onction. Et n'a proclamé guéri au nom de Jésus. Je proclame, tu es guéri. Affranchi au nom de Jésus. Aucun de l'ami. Tu es guéri au nom de Jésus. Dieu ne peut pas mentir. Zamba koki koko l'onction détruit tous les jours. Et Bakolami et Panzaka. Tout jour de maladie. Et détruit. Et détruit. Au nom de Jésus Christ. Une fois encore. Votre huile sont bénie. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. 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 Osana témoignage. Tu as un témoignage. Tinabiso image na voice. Partagez sur notre témoignage selon numéro et zana contact kuna oyo ba komi contact moko kakande ba komi contact wana de numéro ya appel ba mususu ezaya mpesa et témoignage oyo nde ya appel tinela biso témoignage na yo nous sommes intéressés pomo kilibai ba ke Yesu masia zana pomo oui alléluia otini voice par WhatsApp vidéo un petit vidéo ya image na yo ozo loba. Comme ça, Batuba Mona, Oyo Yesu Masé Azo Sala. Ça n'a rien à faire avec nous. C'est Jésus à 100%. Ça met à pas pour la bino. À la prochaine. Ça l'a connecté et branché. Que Dieu vous bénisse. Tikana prophétisé na vine. Baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama ko poma yote. Les jours de chaque chrétien vont tourner, va savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu le vois, tu domines. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambo ya denye wane.